amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Ça fait plusieurs mois que je vous ai pas parlé de livres sur ma chaîne, un peu plus de 3 mois. Et aujourd'hui, je vous présente Dialogue avec l'ange. Donc, c'est un livre qui a été créé par Guitar Malaz, qui est une sorte de scribe de l'ange, c'est comme ça qu'elle aime s'appeler. Voilà, c'est un gros livre, il est vraiment très intense. C'est pas toujours évident de le lire, donc c'est pour ça aussi que ça m'a pris un peu plus de 3 mois pour vraiment bien l'intégrer et pouvoir vous le présenter aujourd'hui et reprendre le cycle des vidéos lecture avec vous. Donc voilà, c'est parti pour la vidéo. J'ai reçu ce livre de Mourad qui a participé à un voyage avec nous fin 2017. Je voulais le remercier à nouveau pour ce cadeau. Il m'a offert ce livre et également d'autres ouvrages très intéressants. J'en avais déjà entendu parler plusieurs fois, Dialogue avec l'ange. J'avais vu la couverture, mais je pense que j'étais pas encore prêt pour le lire. Et là, c'était le bon moment. On était en voyage ensemble, on est parti au désert. J'ai commencé ma lecture lors de ce voyage. Et là, j'ai terminé il y a quelques semaines. Puis j'ai commencé à préparer un peu la vidéo pour partager tout ça avec vous. Donc, comme je vous dis, c'est pas un livre évident à lire. Je pense qu'il faut quand même avoir déjà un petit bout de chemin. Chemin spirituel, chemin d'amour, qu'on a déjà commencé un peu ce chemin pour aborder ce livre. Parce que si tu donnes ce livre ou que tu le lis et que tu n'as aucune notion de spiritualité, ça peut être un peu difficile de comprendre le sens. Donc le livre que j'ai entre les mains, c'est l'édition intégrale définitive. C'est vraiment la version finale du livre. La première publication, elle était en 1976. Il n'y avait pas autant de détails ni autant de dialogues. Pour vous expliquer un peu le délire du livre, en fait, c'est quatre jeunes en Hongrie. Dans les années 1940, 1943 plus précisément, quatre jeunes qui vivent ensemble, ils sont vraiment dans l'air du temps. Il y a des designers, des dessinateurs, ils sont vraiment dans la création. Et ces trois amis de Guitar Malaz, juste pendant la période de la guerre avec les nazis, donc ils vont en fait recevoir une première. On pourrait dire maintenant canalisation d'un ange à travers son amie Anna. Donc elle a juste le temps de prévenir que c'est plus elle qui va parler, que c'est l'ange qui va parler à travers elle. Et va s'ensuivre toute une série de dialogues entre ce groupe d'amis et leurs anges respectifs. Donc ça va durer pendant 17 mois. Chaque vendredi. Et là, dans ce livre, on retrouve tous les dialogues ou certains moments des fragments de ces dialogues, puisqu'ils n'avaient pas toujours l'occasion de noter tout ça. Donc, c'était Guitar Malaz, Anna, Lily et Joseph, ces quatre personnes-là. Donc, j'ai regardé pas mal de vidéos par la suite de Guitar Malaz et je vous invite aussi à découvrir. En parallèle au livre, des vidéos d'elle que vous pouvez voir sur YouTube. C'est très intéressant d'avoir de l'entendre parler, de voir comment elle a vécu cette expérience, comment elle voit la vie. Et j'ai mieux compris aussi, en voyant la vidéo, le concept de l'ange à travers elle. En fait, quand elle dit ange, ça pourrait être l'équivalent de notre moi supérieur. Donc ici, dans mon expérience terrestre,
Je suis vivant avec mon corps physique. Je vis des expériences pour me rapprocher de l'amour, de la conscience. Mais en parallèle, j'ai un autre moi qui est sur un autre niveau de conscience et qui me guide aussi. Donc voilà, on peut aussi appeler ça Dieu, on peut appeler ça de toutes les façons. Elle a choisi le mot ange. Donc voilà, faut être conscient qu'il y a une partie de nous qui est ici dans le monde physique, mais qu'une autre partie qui est nous aussi, sous un autre plan, qui est là avec nous. On ne peut pas toujours le sentir, mais plus on va être connecté, plus on va être aligné dans notre parcours de vie, avec lui, plus on va pouvoir le percevoir et comprendre les signes. Parmi les dialogues, on peut ressentir une influence judéo-chrétienne dans la façon dont les textes sont présentés, sont canalisés par l'ange. Pour moi, ça ne m'a pas trop dérangé. C'est pas dérangeant du tout, mais faut savoir que c'est présent. Et aussi, les expressions, la façon de communiquer, c'est beaucoup en métaphore, avec des images. Tout ce qui est, c'est pas toujours direct. Donc c'est pour ça que le livre est assez compliqué à comprendre dans certains passages, parce que c'est des métaphores, c'est des expressions imagées. Il faut un peu réfléchir, tu vas pas toujours comprendre du premier coup. Ce qui est bien avec ce livre, c'est par exemple, une fois que tu l'as vraiment lu, tu peux reprendre un passage au hasard et le lire. Et je pense qu'il va t'apporter quelque chose. Et c'est aussi le genre de livre comme le pouvoir du moment présent, où chaque lecture va t'apporter un nouveau niveau de compréhension, selon aussi ton évolution de conscience dans le temps. Tu vas avoir de nouveaux éléments pour t'aider sur ton chemin. On parle beaucoup de Dieu aussi de Jésus. Donc Dieu ici, c'est pas ils ont utilisé le pronom lui comme au masculin. Mais il faut savoir qu'en hongrois, le mot Dieu n'a pas de genre, c'est pas masculin ou féminin, c'est les deux. Comme dans certaines tribus aussi, dans certains peuples premiers, Dieu n'est pas forcément quelque chose de masculin, mais c'est des fois féminin, ou les deux. Ça, c'est intéressant comme approche. Je pense que ce que Gita a essayé de transmettre, et je l'ai compris aussi à travers ses vidéos, c'est qu'en fait, une personne ordinaire peut recevoir des messages de son ange. Elle en est la preuve, Anna en est la preuve, et ses amis aussi. Donc c'est un bon espoir pour nous aussi, puisque on peut être quelqu'un de très ordinaire, très normal, et savoir comment se connecter à son être supérieur, au divin. Voilà, moi je le sens aussi de plus en plus avec moi. Plus j'avance sur ce chemin de vie, plus je me sens connecté. Et ça, c'est génial. Donc vous pouvez prendre ce livre comme un enseignement. Je ne vais pas trop vous rentrer dans les détails parce que je pense que c'est un livre très chargé et si vous sentez que c'est pour vous le bon moment de le lire, prenez-le et démarrez l'aventure parce que ça va vraiment vous apporter des belles choses. Je ressens beaucoup d'amour pour Gita, pour son message.
La première partie du livre, j'étais très très captivé par les messages de l'ange. Donc c'est sous un format de questions-réponses. Je trouvais ça super intéressant, souvent ça me parlait très fort. La deuxième partie du livre, j'étais moins accroché. C'était beaucoup plus difficile pour moi de comprendre certaines explications métaphoriques. Par contre, j'étais beaucoup plus captivé par les annotations de Gita. Donc en fait, il faut savoir qu'en parallèle des dialogues, vous avez le contexte aussi historique de comment ça s'est passé. Donc c'était pendant la guerre. J'ai pas envie de vous expliquer l'histoire parce que ça va peut-être vous gâcher le plaisir. Mais je peux juste dire que la dernière partie du livre, c'est vraiment très captivant. Je voulais savoir qu'est-ce qui allait se passer. Et même si c'est pas toujours très gai, vu que c'est pendant la guerre, les nazis qui chassent les juifs, qui les tuent, qui les oppressent. Donc il y a aussi une fin un peu tragique. Mais bon, c'est vraiment captivant de savoir comment va se dérouler la suite de l'histoire. Je peux peut-être vous le dire quand même, puisque ça c'est connu, bah, Gita c'est la seule survivante du groupe des quatre amis. Donc elle est vraiment restée pour témoigner. Je crois qu'il lui a fallu 15 ans pour quitter finalement après la guerre la Hongrie, pour arriver à Paris, avec sa valise, avec des petits cahiers où tout était écrit dessus. Et là, le travail a commencé de donner au grand public cet enseignement. Je vais vous lire quelques passages du livre qui m'ont marqué. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos lecture. Je peux déjà vous présenter le prochain livre dont je vais vous parler. C'est Petit pays de Gaël Faye. Je l'ai lu juste après Dialogue avec l'ange et ça m'a fait du bien. Là aussi, le contexte est très dur. Je vous en parlerai plus en détail dans quelques jours sur la chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube. Il faut que tu trouves un bonheur que tu n'as jamais connu, un nouveau sourire, le léger. Si tu sens un poids trop lourd, tu n'es pas sur ton chemin. Si ton fardeau te semble léger, tu es sur le chemin. Cela ne dépend que de toi. Tu ne pourras trouver ce nouveau sourire qu'en vivant ta vie quotidienne avec le maximum d'intensité. Il y a un miroir merveilleux en toi. Il révèle tout. Il repose en toi. Et c'est lui qui le reflète. Mais seulement s'il y a le silence. Gita explique à un moment dans le livre un commentaire que j'ai beaucoup aimé. Elle dit: Et je comprends que si ma nature est de rayonner, ma tâche est d'en devenir consciente et d'agir en conséquence. Et je m'étonne d'avoir pu l'oublier si complètement. Sommes-nous tous si peu conscients de notre nature divine? Ça m'a beaucoup touché parce que bah, je le réalise aussi au quotidien. On est des êtres vraiment merveilleux et on peut faire beaucoup de choses sur Terre. La Terre, elle nous est donnée comme un paradis. Bon, l'homme l'a un peu transformé, c'est un peu devenu un enfer pour une majorité des humains. On a cette capacité de produire du beau, du merveilleux, d'être connecté au divin. Et je suis aussi étonné de plus en plus que bah, la plupart de mes frères et sœurs humains sont un peu déconnectés de leur nature divine. Mais bon, malgré tout, je garde espoir et on est de plus en plus à se reconnecter. Ça, c'est super. Et un autre passage où elle fait un commentaire. Bah, elle dit par rapport à un dialogue,
Avons-nous librement accepté de rêver cette vie terrestre afin de devenir capable d'éveiller d'autres rêveurs, même si notre rêve est tragique? En l'acceptant, pouvons-nous nous éveiller nous-mêmes et devenir ensuite capable d'en éveiller d'autres? Voilà, ça me parle aussi parce que c'est tout mon objectif ici avec les vidéos, avec les voyages, avec mes partages. J'ai envie de partager mon expérience et de pouvoir éveiller aussi d'autres frères et sœurs humains comme moi qui se posent des questions et qui sentent qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Voilà, j'espère que cette vidéo sur Dialogue avec l'ange vous aura peut-être donné envie de lire ce livre. Je vous le conseille en tous les cas. Même si, comme je vous l'ai dit, il y a des moments qui sont difficiles à comprendre, beaucoup de textes métaphoriques, ben, ça reste un très beau livre. Je remercie de tout cœur Mourad de m'avoir fait ce cadeau. C'est très 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 sympa de ta part. Et aussi un petit message ben, pour tous les futurs voyageurs de Maroc en conscience. Si vous voulez me ramener quelque chose, n'hésitez pas à m'apporter un livre. Ça me fera toujours plaisir et comme ça je pourrai aussi en parler avec vous, mes abonnés sur la chaîne. Prenez soin de vous, un maximum d'amour, de paix. Je vous aime. Peace.